Bonjour et bienvenue sur mon canal. Aujourd'hui, on va se regarder le mode qui était déjà sur FS19, puisqu'on pouvait faire des pellettes et faire des transporter en sac et les palettes utilisées quoi. Le mode il est bien fait, mais ils ont pas amélioré quelque chose comme on aurait pu se croire qu'ils feraient d'amélioration. J'ai mis ici dans le bac 19 000 litres et en haut dans le bac j'ai mis 8 000 litres et puis ils avaient 5 000 litres là dans le bac ici et puis ici 5 000 litres. Alors j'ai un peu changé pour avoir 19 000 litres ici et puis 8 000 litres ici parce que c'est 1 sur 1. Ça veut dire que tu as 40 sacs de 50 litres. Ça fait 2 000 litres, mais les 2 000 litres, ils sont un peu trop légers, moi je trouve. Les palettes, ils bug trop, quoi. Il faut faire vraiment attention pour bien les prendre. Et pas avec chaque fenuil que tu peux prendre ces palettes, parce qu'ils bug à max, quoi. Comme dit. Et puis, tu as ici, en faisant X, tu peux changer beaucoup de choses et ça c'est un peu nul ce que j'ai fait ici parce que il y a du matériel dedans et si je bouge c'est aussi un quelque chose qui ne va pas du tout quand tu veux changer de style que tu as du matériel dans le truc là-dedans quoi. On va passer à côté, il va le mettre là, il faudra qu'on le reprenne. C'est un peu la gadoue quoi. Mais c'est bien facile et bien léger pour mettre ce qu'il faut quoi. Alors ça va quoi. Je vais encore enlever le petit morceau qu'on a ici. Voilà. Comme dit, tu peux changer en trois options pour les balles, pour le levrac et pour les palettes, quoi. Ça, c'est pour les balles et pour les palettes, quoi. Mais quand tu veux le prendre pour le vrac, il faut passer au-dessus du bac pour pas faire la même erreur que j'ai fait ici, quoi. Là, j'ai les palettes de foin. J'ai aussi un peu changé le prix parce que 400 euros ou 300 euros pour une palette, c'est pour le boulot qu'on a, déjà tondre le gazon, faire du foin, et après encore avoir le point que tu dois attendre que ces palettes utilisées, quoi. Et après ça tourne pas bien, quoi, comme petit, quoi. Et t'as tellement de boulot, t'as au moins 1 heure de boulot pour vraiment avoir assez de palettes, quoi, comme dit. Et puis c'est pour le prix, c'est un peu la gadoue quoi, qu'on voit pas quoi. Il faut les prendre comme ça et pas comme ça, sinon ça bug aussi avec les palettes. Et tu peux pas toujours prendre comme il faut les palettes. Reste parfois aussi accroché. Mais sinon c'est un petit plus si on change un peu le prix. Alors, ça vaut le coup de le faire, quoi, mais il faut le changer soi-même parce que les gars qui ont fait le mode, ils le feraient pas. Changer le prix, pour le boulot que tu as sur ce mode, quoi. Avant de gagner de l'argent, quoi, comme dit, quoi. Ici, vous voyez aussi que ça bug un peu. Alors, c'est toujours un peu la galoue, quoi. Ok. On va le mettre placé comme ça. Comme dit, la palette est à 215 kg pour les 2 000 litres. Moi, je trouve que c'est le sac 5 kg de 50 litres. Un sac de 50 litres qui a 5 kg, c'est pas vraiment, je crois, réaliste, quoi. Moi, je trouve que il devrait avoir au moins 10 kg, le sac de 50 litres, quoi. Là, on aurait une palette de 410 kg. Et puis ce serait mieux quoi. En fait, la Prémos,
Je l'ai aussi mis en 19 000 litres. Elle était à 9 000 litres. Et tant il m'est pas vraiment rentré tellement de matériel, si tu prends que 9 000 litres, alors moi je me suis dit, je vais changer en 19 000 litres comme le bac ici. Et alors, je peux faire au moins une ou deux rangées pour avoir les 19 000 litres et pas une moitié d'une rangée d'une longueur que j'ai ici sur le champ, pour après avoir la moitié d'une rangée et puis avoir les 9 000 litres et tout de suite rentrer, quoi. Parce que pour ma part, je veux plutôt pas mettre dans les tiroirs ici du vrac. Je veux plutôt mettre par la Primos tout de suite dans le bac, quoi. Ça, c'est mieux, quoi. Ça fait beaucoup plus de boulot si tu ramènes du vrac ici que si tu as 19 000 litres là-dedans et t'as le bac de 19 000 litres. Alors tu peux faire pour avoir deux fois deux primos de 19 000 litres pour un bac de 19, et 19 litres, 19 000 litres te font 9 palettes. Et puis si là tu prends la primos deux fois, alors t'as 18 palettes pour deux ou trois rangées, quoi, et c'est du bon fric, quoi. Comme dit, on va se regarder le prix. Comme dit, les palettes de foin ou les pellets sont à 2 800 € et les pellets de paille sont à 1 300, quoi. Et avant, ils étaient à 300, 400, et ça, c'est un prix qui n'est pas du tout potable pour vraiment gagner de l'argent et puis pour avoir un dynamisme pour le boulot que tu fais et d'être content d'avoir gagné un peu de l'argent, quoi, comme dit. Et ça, c'est le point qu'on peut dire, quoi. Après, quand tu veux faire comme ici par exemple, j'ai un petit bug, j'arrive pas à rentrer à l'arrière toujours tout de suite, comme dit. Après, la deuxième machine, je vais vous la montrer aussi encore une fois, hein, avant de terminer ici. On va tourner ça tout cool. J'aime bien prendre la grue, c'est sympa, c'est mieux que le fenwick. Et voilà, le petit bug, parce qu'ils sont trop légers, quoi, comme dit. C'est les choses qui sont un peu buggées, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Il faut passer spécialement soi-même pour prendre la palette comme il faut, la tourner et la placer plutôt vers le bas, quoi. C'est quelque chose qui est un peu nul, quoi. Comme vous voyez ici, j'ai 215 kilos, c'est trop léger pour 2 000 litres de pellets, quoi. Trop léger, quoi. Il me faudrait au moins 410 kilos ou 500 kilos pour la palette, quoi. Pour que la palette tourne bien et qu'elle ne bug pas. C'est un point, quoi. Ok. On va passer à l'extérieur ici. On a ici le big pack de Krone, quoi, pour faire des bottes de foin carrées, quoi. Et ici aussi, il y a un petit bug: quand tu ouvres et que tu fais des bottes de foin, la botte du milieu, elle reste un peu accrochée à la fin, quoi. Ça veut dire que ça fait pas une ligne avec trois bottes, ça fait deux bottes, une ligne, et la botte du milieu qui reste encore accroché à la fin de notre petite remorque ici. Et c'est aussi un petit bug qui n'était pas sur FS19, mais qui est ici sur FS22, quoi. C'est un point à savoir, quoi. Voilà. C'était ce que je vais vous montrer par ici, sur ce mode qui vient de sortir il y a 2-3 jours. J'avais un peu testé avant de faire une vidéo là-dessus, quoi. Et j'ai amélioré le point, quoi, avec les prix et tout, pour
que c'est intéressant, quoi, parce que sinon ce serait pas intéressant, ce serait pas un mode intéressant, quoi, si le prix n'est pas bon et que t'as pas assez de volume dans les machines, tout ce que tu veux, quoi. Et ça fait vraiment beaucoup plus de boulot, quoi, avec un prix trop bas, quoi. Voilà, alors je vous laisse, et je vous souhaite un bon week-end et on se voit pour une prochaine vidéo.